Bonjour, bienvenue dans ce, dans ce webinaire de mise à jour. On va attendre quelques minutes pour laisser arriver les, les personnes qui sont inscrites et nous pourrons démarrer. N'hésitez pas à utiliser le, le chat euh, si vous voulez vous, vous présenter euh, et utiliser les questions-réponses pour pouvoir poser vos questions auxquelles je pourrai répondre durant le webinaire. Bonjour, Alors, nous allons pouvoir commencer ce webinaire mensuel euh, pour vous présenter les, les nouveautés, les dernières euh, modifications, ajouts, mises à jour euh, qui sont présentes dans l'outil Price Lab qui ont été euh, déployés euh, courant, euh, courant octobre. Euh, donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à poser vos questions dans la partie questions-réponses euh, de Zoom. Euh, J'y répondrai au fur et à mesure ou, euh, ou à la fin. On prendra un peu de temps pour répondre à vos questions. Donc, je vais vous présenter les. Dernière nouveauté euh, concernant PriceLab. Je suis Romain jacqueline je suis votre interlocuteur pour euh, le marché, euh, le marché français. Donc voilà, n'hésitez pas si vous avez la moindre question, direction les questions-réponses. Aujourd'hui, on va voir quelles sont les nouveautés qui ont été apportées dans l'outil PriceLab. On va voir aujourd'hui que, une fois n'est pas coutume, ce sont des pas mal de nouveautés et euh, d'améliorations qui ont été apportées dans la partie Portfolio Analytics, euh, qui est la fonctionnalité de PriceLab qui vous permet d'analyser vos performances. Et on va voir comment justement utiliser correctement cette, cette fonctionnalité. On va parler de mapping pour ceux que, d'entre vous que ça peut concerner, et aussi voir ensemble quelles sont les nouvelles intégrations et autres mises à jour sur le sur le produit. Donc, on va commencer avec la partie Portfolio Analytics. Donc, je vous présente d'abord les nouveautés. On les verra après dans l'interface PriceLab directement. Donc, cette fonctionnalité de, de PriceLab qui est présente tout en haut de votre écran Pricelab, quand vous êtes connecté, euh, va vous permettre de suivre et d'analyser les performances de vos propriétés, de facilement identifier les logements qui sont les moins performants et euh, d'utiliser les résultats de vos logements pour justement affiner votre stratégie. Donc, pour que ce soit un peu plus parlant, quelques exemples de comment vous pouvez utiliser la fonctionnalité de Portfolio Analytics. Quand vous vous rendez sur la page Portfolio Analytics, vous avez tout en haut euh, des, des graphes qui vous donnent vos... Euh, vos données, vos performances euh, sur les... Euh, euh, C'est justement le, le sujet, sur mois par mois, par semaine, par jour, par jour de la semaine, sur les années passées. Donc, et, et aussi, pardon, sur vos... des projections sur les réservations déjà positionnées dans le futur. Donc, en fait, ces graphes, euh, vous avez la possibilité de choisir jusqu'à quatre indicateurs euh, différents, vont vous permettre de voir finalement... Euh, comment évoluent euh, vos performances selon l'indicateur que vous aurez choisi, les revenus, le refpar, votre euh, tarif moyen par jour, votre taux d'occupation, etc. Donc c'est un moyen euh, très simple et très rapide de vite voir si finalement alors, il y a évidemment des, des événements euh, extérieurs, mais si les, la stratégie que vous avez mis en place finalement paye et si chaque année vous arrivez à améliorer vos résultats selon ces différents indicateurs. Donc ça, c'est une des premières choses que vous pouvez faire avec le Portfolio Analytics. Ensuite, un deuxième exemple, euh, je vous le présenterai aussi tout à l'heure en direct sur euh, un compte Pricelab. Vous avez sur votre Portfolio Analytics cette vue euh, avec ces euh, petites pastilles de couleurs qui correspondent à vos logements qui vous permet visuellement de très vite identifier les logements sur lesquels potentiellement vous avez des améliorations à faire, les logements qui vont être moins performants. Ici, sur cet exemple, vous avez les deux axes avec le taux d'occupation du marché. Donc vous pouvez changer euh, les indicateurs à utiliser. Mais là, vous avez le taux d'occupation du marché et le taux d'occupation de votre logement. Donc forcément, au plus le logement va être haut, donc avec un taux d'occupation élevé et euh, un taux du marché qui lui-même va être potentiellement faible, ou plus ce logement va être performant, donc euh, potentiellement, vous n'avez pas grand-chose à faire dessus. A l'inverse, si vous avez un logement qui est positionné ici, à, à, on, imaginons ici, on a un taux, taux d'occupation du marché qui est à 40%. Et votre logement, lui, a un taux d'occupation qui est sous les 10 c'est mauvais signe. Donc, ça vous permet de vite voir et isoler les logements sur lesquels vous avez potentiellement des améliorations à, à effectuer. Et enfin, le troisième exemple, c'est un, un autre graphe qui est sur cette page Portfolio Analytics, qui va vous permettre d'identifier vos dates sur lesquelles vous avez des très bons résultats, et à l'inverse, les dates sur lesquelles vous êtes moins performant euh, par rapport à votre ensemble de concurrents personnalisés. Ce, cette fonctionnalité-là, vous la créez dans votre market dashboard. Si vous utilisez cette fonctionnalité, je vais vous montrer tout à l'heure dans l'interface comment faire. Vous allez pouvoir créer un, un market dashboard. Pour ce market dashboard, créer un ensemble de logements concurrents, donc en sélectionnant les logements qui, qui selon vous, sont concurrents du vôtre. Et vous allez pouvoir ensuite, dans votre portfolio analytics, dire bah finalement mon logement par rapport à cet ensemble de logements concurrents, comment il se, il se comporte, est-ce que j'ai des résultats équivalents, est-ce que pour des dates de l'année, euh, mes concurrents euh, arrivent à avoir des meilleures performances que moi, ou inversement. C'est trois exemples, trois façons finalement d'utiliser cette fonctionnalité de portfolio euh, analytics. Et qu'est-ce qui a été ajouté, qu'est-ce qui est nouveau dans cette, euh, dans cette fonctionnalité C'est les données historiques qui jusqu'à présent étaient euh, limitées euh, à des données sur les... 30 derniers jours. Désormais, vous pouvez analyser vos données dans ce portfolio analytique et finalement comparer vos performances avec les deux années passées de vos logements. Donc, ces données, on les récupère de votre PMS. Donc, évidemment, si vous n'avez pas de données historiques euh, sur deux ans sur votre logement, on ne pourra pas euh, vous donner ces, ces données. Mais si vous connectez ou le, le PMS dans le, que vous utilisez avec PriceLab, comporte des données qui vont jusqu'à deux ans, voire au-delà, on va pouvoir, dans le portfolio Analytics, vous permettre de comparer finalement l'évolution de vos performances par différents facteurs, à la fenêtre de réservation, les durées de séjour, euh, le, le taux d'occupation, etc., jusqu'à deux ans en arrière. Donc, ça vous permet vraiment d'avoir une analyse assez poussée sur l'évolution des performances de, votre, de, de vos logements. Donc ça, c'était sur la partie portfolio analytics. Maintenant, pour ceux d'entre vous qui utilisent le, le mapping ou qui pourraient qui être intéressés par l'utilisation du, du mapping, euh, quelques nouveautés, quelques évolutions aussi. Déjà, qu'est-ce que la notion de mapping, d'association euh, dans, dans Price Lab Principalement, ça va concerner les personnes qui peut-être n'utilise pas de PMS aujourd'hui, c'est-à-dire que si vous pas, vous n'êtes pas encore arrivé à la taille où vous avez besoin d'utiliser un PMS et que vous mettez vos annonces uniquement sur Airbnb et sur VRBO, vous pouvez utiliser PriceLab et associer donc connecter votre compte Airbnb, connecter votre compte VRBO. Vous allez vous retrouver avec pour chaque logement deux annonces dans PriceLab, une qui vient d'Airbnb, une qui vient de VRBO, dans PriceLab, donc le mapping, cette euh, fonctionnalité va vous permettre d'associer ces annonces pour dire à PriceLab c'est la même annonce. Ce qui, ce qui va se passer, c'est que vous n'aurez pas à gérer les prix sur deux logements évidemment dans PriceLab, vous pourrez le faire sur une seule et les prix partiront sur les deux annonces des deux côtés, sur Airbnb et sur VRBO, et la tarification de PriceLab va être aussi adaptée puisque finalement vous n'utilisez qu'un seul logement dans, dans PriceLab. Donc ça c'est des premiers besoins pour lesquels vous, vous pourriez utiliser le mapping. Euh, et c'est une possibilité, si vous n'étiez pas au courant, euh, que vous pouvez utiliser aujourd'hui dans, dans PriceLab. Ensuite, si vous voulez utiliser, si vous avez des logements en multi-unité, c'est-à-dire si vous gérez, par exemple, dans un même immeuble, euh, quatre appartements qui sont identiques, euh, même taille, même capacité d'accueil, même décoration, et vous souhaitez les proposer en termes de tarification au même tarif vous pouvez, même si votre PMS ne supporte pas cette fonctionnalité, vous pouvez dans PriceLab les associer en, en indiquant que vous, que vous voulez faire du multi-unité. Et ensuite, on va pouvoir, nous, vous permettre de gérer les prix sur un seul de ces quatre logements. Donc déjà, vous allez gagner du temps. Et, les, et répercuter la stratégie de prix d'un de ces logements, qu'on va appeler le logement parent, sur les trois autres logements, qu'on va appeler les logements... Enfant. Donc, on va vous permettre finalement de faire du multi-unité dans Pricelab, même si votre PMS ne vous permet pas de le faire. Et enfin, un troisième exemple euh, d'utilisation et de bénéfice de la fonctionnalité de, de mapping, c'est si vous changez de PMS, mais vous utilisez Pricelab aujourd'hui avec un PMS, demain vous changez de PMS, mais vous voulez continuer d'utiliser Pricelab. Le changement de PMS est un vrai, vrai casse-tête entre le transfert des annonces, le transfert des connexions avec les channels, etc. Donc vous allez pouvoir finalement passer d'un PMS à l'autre tout en maintenant vos tarifs euh, euh, configurés avec PriceLab. Et on va pouvoir faire ce mapping en fait de votre ancien PMS vers enfin, votre nouveau PMS. Si c'est une situation dans laquelle vous risquez de vous trouver prochainement, je vous invite à me contacter ou à contacter le support afin qu'on vous assiste dans euh, cette, cette fonctionnalité, cette mise en place qui vous permettrait de finalement garder vos tarifs euh, intacts en, lors d'un changement de, de, de PMS. Ce qui change sur cette fonctionnalité qu'on vient, qu vient de voir ensemble, c'est qu'on a fait évoluer la façon dont vous pouvez justement associer les logements. Jusqu'à présent, ça pouvait être un peu, un peu chronophage, c'est-à-dire qu'il fallait associer les logements ensemble un par un. Donc vous choisissez un premier logement et un deuxième logement avec lequel l'associer. Désormais, dans Lab, vous allez pouvoir choisir un logement principal et, justement, potentiellement dans le cadre d'une multi-unité, sélectionner 1, 2, 3, 4, 5, 10 logements qui, sont les lo qui seront les logements enfants euh, qui vont être rattachés à ce premier logement principal. Donc on va vous faire gagner du temps sur cette, euh, sur cette fonctionnalité. En termes d'intégration, euh, de nouveaux euh, PMS Challenge Manager qui sont intégrés avec euh, Pricelab, Rental Ready, Apaleo. Donc, euh, si vous êtes utilisateur ou, vous, ou si vous vous intéressez à une de ces solutions, euh, nous sommes désormais intégrés. Vous pouvez utiliser Pricelab avec, euh, avec l'une de, euh, de ces solutions. Je. Je vais basculer sur l'interface pour qu'on puisse revoir ensemble ce que je viens de vous présenter euh, de façon un peu plus euh, interactive euh, et contextualisée. N'hésitez pas pendant ce temps si vous avez des, des questions sur ce que je viens de présenter au niveau des portfolios analytics, euh, des euh, competitors sets, donc des ensembles de concurrents dans le market dashboard ou euh, du mapping. Euh, N'hésitez pas à les poser dans la partie questions-réponses de, de Zoom. Euh, donc déjà, je vais vous montrer euh, où se situe la fonctionnalité de création d'ensemble de concurrents dont je vous ai parlé. Donc ça se trouve dans les market dashboards. Market dashboard, pour rappel, ça se situe là-haut dans votre menu. Donc, quand vous êtes connecté dans PriceLab, vous avez Dynamic Pricing, donc c'est les fonctionnalités historiques de tarification dynamique, Portfolio Analytics, Market Dashboard. Market Dashboard, c'est une fonctionnalité à part de la tarification dynamique qui est facturée elle aussi à part, en, en plus de la tarification dynamique. Euh, si vous êtes en période d'essai, vous pouvez créer un market dashboard gratuit, je vous invite à le faire. Et ensuite, c'est facturé mensuellement si vous voulez maintenir votre euh, tableau de bord actif en permanence et réactualisé en permanence. Sinon, vous pouvez faire un, une étude de marché, ne pas l'actualiser, juste pour un besoin ponctuel. Donc, quand vous avez créé un market dashboard, vous avez indiqué une adresse, un rayon, et on va vous établir cette page euh, qui est votre, votre tableau de bord, votre rapport sur les données marché que PriceLab a et vous partage pour vous permettre de comprendre justement, euh, de mieux comprendre votre, votre marché. Donc là, c'est un, un rapport qui a été fait au Qatar, parce que c'est d'actualité en ce moment. Donc là, on vous partage dans ce rapport énormément de données, euh, et notamment sous la carte la partie euh, listing et concurrent. Donc là, en fait, ces données, les données qu'on vous présente dans ce rapport sont uniquement des données Airbnb, avec pour chaque logement, sur chaque ligne, le lien vers l'annonce Airbnb du logement concerné. Vous allez pouvoir filtrer, trier les données pour finalement trouver ce qui vous intéresse comme info et ce qui vous intéresse comme potentiel concurrent aussi. Donc vous allez pouvoir dire, par exemple, je veux voir en priorité les logements qui ont le plus de... Review sur Airbnb euh, ou alors ceux qui ont des meilleures occupations, des meilleurs revenus, etc. Et vous allez pouvoir ensuite, une fois que vous avez identifié ces, ces logements, créer votre euh, ensemble de concurrents. Donc là, vous allez dire par exemple, euh, je vais prendre les logements qui ont euh, 5 étoiles euh, sur Airbnb, je vais euh, les sélectionner. Vous pouvez aller les regarder pour voir véritablement si selon vous c'est un logement qui, que vous estimez être concurrent du vôtre ou pas, avant de, le, avant de le sélectionner. Et donc, une fois que vous avez sélectionné les annonces, que vous, mis un, que vous avez choisi un nom pour votre ensemble de concurrents, vous pouvez cliquer ici pour le créer. Donc ensuite, ceux que vous avez créés vont se retrouver ici. Vous en avez qui sont déjà générés par défaut par Pricelab. Ici, ce sont les logements de chambre qui sont gérés par des professionnels. Euh, ici, c'est les le logements de deux chambres qui ont 20 ou plus avis euh, sur Airbnb. Et donc, ces euh, ensembles de concurrents que vous allez créer vont vous permettre ensuite, dans la partie Portfolio Analytics, d'aller euh, comparer finalement vos performances par rapport aux performances du marché. Donc ici, dans le Portfolio Analytics, j'ai euh, mes propres données. Euh, qui sont euh, mes données, euh, mes données futures sur ce qui est existant, les réservations euh, potentiellement euh, prises, la tarification dynamique que j'applique, etc. Et ensuite, je vais pouvoir aller, si j'ai créé un market dashboard et un ensemble de concurrents, aller chercher finalement mon market dashboard et chercher dans le market dashboard concerné l'ensemble de concurrents euh, préexistants ou que j'aurais choisi. Et là, je vais pouvoir du coup Comparer mes propres données aux données de ces concurrents-là, plus uniquement au marché au global, mais vraiment aller affiner et euh, dire par défaut dans PriceLab, notamment, c'est le genre de vue que vous avez dans le neighborhood neighbor data, par exemple, où vous pouvez aller regarder sur votre logement euh, par rapport à des logements concurrents euh, les différents percentiles. Mais là, vous allez pouvoir aller un peu plus loin et affiner en disant, non, non, moi, je ne veux pas euh, comparer mes performances par rapport à tous les logements du même type à proximité, mais vraiment par rapport à d'autres logements euh, que j'ai sélectionnés, et même par rapport peut-être à un marché concurrent, à un autre marché, si vous le souhaitez. Donc ça, c'est euh, une des nouveautés qui a été apportée euh, dans le portfolio Analytics. Et c'est dans cette partie-là du Market Dashboard que vous allez pouvoir créer vos ensembles de concurrents pour pouvoir aller justement aller affiner sur ces, euh, sur ces analyses. Si on revient sur le Portfolio Analytics, donc il lui est accessible ici dans votre menu Pricelab, Donc on vous présente vos performances, donc toutes les données concernant vos logements qu'on récupère de votre PMS. Donc, et on, je reviens sur ce graphe où euh, justement vous allez pouvoir voir d'un coup d'œil, un peu finalement comme sur votre tableau de bord PriceLab, avec les trois colonnes, avec une vue à 7 jours, 15 jours, etc. Je vais vous présenter. Donc un peu à la façon de ces trois colonnes et ces indicateurs visuels où là, par exemple, vous pouvez vous dire, OK, ce logement-là, pas la peine de passer de tant dessus, euh, je suis euh, dans les clous, euh, mon taux d'occupation sur les trois périodes à venir est, est bon, il n'y a pas de problème. Ben là, de la même façon, toutes les pastilles qui sont en vert, euh, vous pouvez vous dire, OK, potentiellement, pas la peine de s'attarder là-dessus, ces logements euh, fonctionnent, il n'y a pas de problème. Par contre, à l'inverse, tous les logements qui sont ici, qui commencent à être en orange ou en rouge, il y a potentiellement des, des actions à, à entreprendre, parce que on voit ici, le marché est à 70% d'occupation, enfin en tout cas sur, cette, euh, sur ce logement-là, euh, dans son environnement géographique. Mon logement, lui, est plutôt en dessous de 40%. Donc, y a, je suis en dessous du marché. Donc, il y a peut-être quelque chose à faire. Pareil ici, euh, où euh, le taux d'occupation euh, du marché euh, est constaté est plutôt, euh, plutôt bon. On est à plus de 40%. Euh, par contre, si on regarde cette, sur cet axe-là, l'occupation du logement, lui, est très faible, voire inexistant. Donc, vous pouvez aller directement. Donc, soit ce que vous pouvez faire sur cette sur ce graphe, sur cette vue, c'est vraiment isoler les logements, donc sélectionner les logements sur lesquels vous souhaitez vous pencher. Euh, ça peut être vraiment encore plus fin. Et donc, en fonction de la sélection de logements que vous allez faire, on va vous les afficher ici. Donc, si vous voyez, je sélectionne d'autres logements. Donc, je vais avoir ma liste ici qui va, qui va changer. Là, j'ai 9 pages de, de logements. Ici, si je fais une sélection plus courte. Donc, on va mettre à jour automatiquement la liste qui est ici à droite. Donc, tous les logements que vous sélectionnez ici vont être ceux qui vont être dans, cette, euh, dans ce tableau à droite où on vous donne les informations détaillées euh, pour tel logement, euh, le taux d'occupation, euh, le revenu, le, euh, le, désolé, le taux de réservation. Et donc, vous allez pouvoir, un par un, aller voir ce qui se passe et décider de prendre, prendre des actions, enfin de mettre en place des actions pour rectifier le, rectifier le tir. Euh, là, on est sur donc, la vue que je vous présentais au tout début du, du webinaire par rapport aux indicateurs. Donc, vous pouvez comparer euh, 2019, 20, 21, 22, vous allez pouvoir comparer finalement mois par mois, quelle est votre évolution. Euh, là, on est sur le revenu, mais vous pouvez choisir plein d'autres indicateurs différents soit les réservations, les nuits réservées, le prix moyen réservé, le délai le, d'anticipation, le, c'est très intéressant pour justement comprendre si les actions que vous mettez en place en Price Lab portent leurs fruits et justement d'une période à une autre. Alors soit on est sur une vue beaucoup plus euh, beaucoup plus large, mais si vous avez mis en place des actions récemment et vous voulez vérifier à, de façon à très court terme. Euh, quel a été l'impact vous pouvez venir sur, analyser sur une vue beaucoup plus, euh, beaucoup plus courte euh, par semaine, par jour euh, finalement quel a été l'impact de votre décision, de votre stratégie que vous a, qui a été mise en place récemment, et donc ça peut vous guider en, en vous disant ok je suis sur la bonne voie, finalement ce que j'ai mis en place euh, porte ses fruits sur euh, euh, sur 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 les, les semaines ou le mois, la période choisie que, qui est, qui est donnée. Toutes ces données, vous pouvez les télécharger en CSV si vous voulez vous les exploiter différemment, soit euh, avec euh, des fichiers Excel, soit avec d'autres outils euh, d'analyse de, de données euh, et faire de la visualisation euh, de données différentes avec d'autres euh, approches que ce qui vous est proposé dans ce, dans ce portfolio Analytics. Donc voilà les. Les, euh, les principales évolutions euh, qui ont été apportées récemment sur ces outils-là, Portfolio Analytics, Market Dashboard, euh, le mapping. Si vous avez besoin euh, d'associer des logements, pour une des raisons qui a été présentée dans les différents, euh, dans les différents exemples, soit parce que vous avez connecté directement Airbnb vers BO, vous voulez finalement gérer pour ces deux annonces une seule fois le, le, le logement. Si vous voulez faire du multi-unité dans Price Lab, c'est ici que ça se passe. Donc vous allez pouvoir sélectionner votre logement parent. Donc, euh, bouton Map Listings. Ici, vous sélectionnez le logement parent. Donc, ça veut dire que si, ce, si encore une fois, si je prends l'exemple des quatre studios, imaginons que vous dites Bon, ce logement va être le parent, c'est-à-dire le logement référence. C'est sur, sur celui-ci que je vais travailler, que je vais bâtir ma stratégie. Et les logements enfants qui vont. Euh, finalement ne faire que dupliquer la stratégie du logement par an, ce sont ceux-là, 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 etc. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que vous travaillerez dans PriceLab sur ce logement-là, et ces logements ne feront que répliquer la stratégie qui est, euh, est au-dessus. Euh, ici, vous avez des, des possibilités euh, d'affiner de, finalement ce, ce choix-là en disant, est-ce que vous souhaitez oui ou non remplacer aussi le prix minimum, prix de base et prix maximum euh, des logements enfants, ou est-ce que vous ne souhaitez répliquer finalement que les customisations euh, du, euh, du logement parent et à, à l'inverse, ne changer que les prix minimum, base, maximum et laisser à chaque logement enfant la possibilité d'avoir ses customisations et, et, euh, et exceptions sur son calendrier. Donc c'est ici que ça se passe dans Manage Listings. Map Listings, et donc là, vous avez votre vue avec tous les logements qui ne sont pas associés, et ici, vous aurez une vue avec les logements qui, eux, ont été, euh, ont été associés. Euh... Alors, question, peut-on voir l'annonce ou les annonces des plastiques qui sont performants pour analyser dans le détail le logement des cohabitants à, à l'instar d'AirDNA, par exemple Alors oui, mais ça va se passer dans le Market Dashboard. Dans dynamic pricing, dans le, enfin, dans le portfolio analytics, ce que je vous ai montré en termes de euh, cette euh, ce graphe avec les pastilles, ce sont vos logements. C'est pas les logements, euh, c'est pas les logements concurrents que vous pouvez analyser. C'est vos logements. C'est une vue qui vous permet de voir quels sont vos logements qui performent ou qui ne performent pas. Euh, dans la vue, dans le market dashboard, c'est là où vous allez pouvoir euh, justement voir sur un marché donné que vous aurez décidé, puisque quand vous créez un market dashboard, vous mettez une adresse et un rayon en mètres ou en kilomètres autour. Euh, si on va sur celui-ci, donc c'est là où vous faites de l'étude de marché. Euh, c'est là où on vous présente euh, sur, soit sur la carte euh, tous les logements qu'on a pris en compte. Donc là, potentiellement, ce, ce, quand ce rapport a été créé, le point central est ici. On a fait ce, ce rayon autour et on vous présente tous les points qui sont les logements qui sont pris en compte dans ce market dashboard. La couleur ici, c'est le prix. Donc le prix à la nuit, plus c'est rouge, plus le logement va être, va être cher. Donc là, vous avez un market dashboard. Vous pouvez filtrer par type de logement et dire, moi, ça, ce qui m'intéresse, c'est uniquement les logements 3 à 5 chambres, par exemple. Et même si vous avez créé votre rapport avec un rayon qui est assez large, vous pouvez dire, tiens, j'ai envie de prendre en compte que cette zone-là. Donc vous avez l'outil Lasso qui est comme dans le Base Price Help, où vous avez la même possibilité finalement de dire, je ne veux voir dans mon market dashboard euh, temporairement uniquement tenir compte des logements qui sont situés ici, parce que je sais que ce n'est pas, pas du tout finalement le même marché que euh, qu'alentour. Que, qu donc là, j'ai restreint l'analyse sur ces logements-là. Les logements qui me sont présentés dans le tableau en dessous ne sont plus que les logements qui sont dans la zone que j'ai sélectionnée. Et donc c'est ici qu'on va pouvoir voir les avis, l'occupation, les, les, les revenus, etc. Donc si je vais dans cette, dans cette zone restreinte, regarder les revenus et me dire tiens ce logement là euh, il a des re des revenus importants et une occupation qui est plutôt euh, qui est plutôt pas mal il est à 4,49. je vais aller voir son annonce Airbnb pour voir en termes de photos, en termes d'équipement, en termes de voilà de tout ça euh, à quoi ça correspond à quoi ça ressemble un logement qui euh, génère ses bénéfices euh, voilà la prestation euh, en termes de, en termes de lit, en termes d'équipement etc. donc ça va se passer. Cette possibilité d'analyse et d'aller voir les annonces concurrentes se passe dans le market dashboard. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, à les poser dans la question-réponse. Alors, pouvez-vous remontrer pour réduire la zone Donc, sur le Market Dashboard, euh, ce que je vous disais. Non, je vais bouger l'écran. Euh, sur le Market Dashboard, quand vous le créez par, euh, par défaut, euh, donc vous, pouvez, euh, vous allez avoir une, une zone qui a été, euh, qui a été identifiée euh, dès le départ, puisque vous avez mis une adresse à un rayon, donc vous avez tous les logements qui sont pris en compte et ensuite vous allez pouvoir ici en haut à droite vous avez soit sélectionner avec un rectangle de cette façon là soit pour pouvoir vraiment dessiner de façon beaucoup plus précise euh, une zone euh, et dire euh, que euh, non non c'est pas aussi euh, c'est pas aussi simple que ça c'est à dire que euh, euh, c'est vraiment uniquement Ici euh, que vous voulez euh, analyser parce que les logements peut-être qui sont ici n'ont rien à voir en termes de prix, ce qui peut arriver sur une ville. Hein. On voit pas mal d'utilisateurs à Cannes avec la fameuse banane, ou pour les congrès, bah, seuls les logements qui sont dans ce dans ce quartier-là euh, euh, vont être impactés par l'activité des congrès. Donc là, vous pouvez grâce au lasso dessiner vraiment cette zone-là. Pour, pour que l'analyse qui est dessous euh, et toutes les données qui sont dans votre market dashboard ne se base que sur les données qui sont, euh, qui sont ici. Et donc, comme je vous disais, vous avez la même possibilité dans l'outil d'aide prix de base. Si on retourne sur un logement, donc dans l'outil d'aide prix de base qui est accessible ici, on vous donne des infos un peu de la même façon avec une carte. On va vous donner, on va vous donner les, les logements finalement à proximité qui sont pris en compte pour vous aider à définir et à affiner votre, votre prix de base. Donc, de la même façon, votre logement est ici. PriceLab va automatiquement définir un rayon autour de votre logement euh, jusqu'à ce qu'il ait suffisamment de données pour vous donner des, des, des recommandations pertinentes. Et donc, sur cette, dans ce rayon-là, vous pouvez décider de dire non, non, moi, euh, ce quartier-là n'a rien à voir. Euh, L'offre qui est proposée ici, le, euh, la qualité de vie, les commerces, etc., ne sont pas du tout comparables à ce qui est dans mon quartier ici. Donc, je, finalement, je vais exclure toute cette partie-là. Et vous allez pouvoir dessiner aussi ce, ce secteur et restreindre finalement les sources de données qui sont utilisées par l'outil d'aide prix de base à uniquement le rayon, enfin, en tout cas la zone que vous avez dessinée euh, pour affiner finalement les données et dire non, non, je veux vraiment des données qui sont euh, pertinentes à mes yeux parce qu'elles concernent un quartier qui est vraiment euh, euh, comparable à ce que j'offre avec mon, mon logement. Donc, je vais vous partager aussi euh, dans le chat euh, si jamais il y a des personnes qui ont des questions supplémentaires, ça vous permettra de, euh, de les poser pendant ce temps. Euh, mais je vais vous partager le lien euh, pour prendre rendez-vous. Je ne sais pas si euh, vous êtes utilisateur, euh, futur utilisateur, mais euh, on vous propose en fait des, euh, des rendez-vous individuels, si, euh, si vous souhaitez euh, euh, découvrir justement PriceLab, si vous êtes en période d'essai, si vous êtes client justement approfondir certaines fonctionnalités euh, euh, sur lesquelles vous avez des questions, euh, donc n'hésitez pas à prendre, euh, prendre rendez-vous pour qu'on qu puisse planifier ce, cet échange ensemble et on pourra vraiment voir en détail, pourrez partager votre écran, pour avoir vraiment avec, euh, avec vos logements. Euh, et vous, euh, vous guider euh, vers euh, bah, la meilleure utilisation possible des fonctionnalités qui sont euh, présentes dans PresLab. Écoutez, si on n'a pas d'autres questions, euh, bah, je vous remercie pour votre, euh, votre temps. Euh, J'espère que les explications pour ces nouveautés ont été euh, suffisamment claires pour vous. Euh, n'hésitez pas si vous avez euh, la moindre question euh, à, à bah, justement à prendre rendez-vous ou à écrire. Donc, euh, je mets aussi mon adresse email. Sinon, vous pouvez contacter le support euh, si vous avez la moindre question. Ok. Euh, donc voilà, n'hésitez pas si c'est si des questions de technique ou à contacter le support, si c'est des questions plus sur l'usage de l'outil, euh, vous pouvez m'écrire et vous pouvez prendre rendez-vous et on pourra voir ça ensemble sur des, des entretiens individuels. Je vous souhaite une bonne journée et, euh, et puis à bientôt. Au revoir.